namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Que tous les êtres soient heureux et en paix, libérés de toute souffrance, qu'ils se réjouissent du bonheur des autres et demeurent dans l'équanimité. Bonjour, nous retrouvons aujourd'hui, après un mois écoulé, et nous allons parler aujourd'hui de l'amitié bienveillante. Je rappelle juste très brièvement qu'il s'agit d'une série de conférences au Centre Bouddhique International, que je suis accueilli par Bonté Chandaratne, qu'il s'agit de conférences en fait qui sont liées à l'enseignement d'un instructeur laïque du Sri Lanka qui s'appelle Godwin Samararatne. Et je voulais vous présenter simplement aujourd'hui, puisqu'il vient juste de sortir, mon livre sur Godwin Samararatne. Donc ce livre, en fait, il contient les enseignements que nous avons ici. Donc il s'appelle Vipassana, la pratique de la vision pénétrante. Voilà. Il y a quelques exemplaires qui seront laissés ici, de toute façon. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'amitié bienveillante. Nous n'avons pas beaucoup de temps parce que vous savez qu'il faut qu'on se quitte plus tôt aujourd'hui à cause du couvre-feu. Je vous propose une courte méditation qui ne sera pas une méditation guidée, qui sera une méditation silencieuse, simplement pour essayer d'apaiser nos pensées. Hein, comme on dit dans la tradition, une méditation samatha, une méditation de silence. Hein. Je dirais peut-être un ou deux mots au début, mais après on va simplement essayer de... Et puis après, je ferai ma petite conférence. Et ensuite, si vous le voulez bien, on refera une méditation, mais cette fois, ça sera une méditation méta sur l'amitié bienveillante. Ce sera une méditation guidée. Donc s'il vous plaît, choisissez la position qui vous convient le mieux. Faites ensemble en sorte qu'elle soit suffisamment confortable pour que vous puissiez tenir un tout petit peu. Sans tension, sans trop de relâchement, si possible en ayant le dos droit, c'est beaucoup mieux. Voilà, on va simplement prendre conscience de notre respiration. On va observer le mouvement de l'air qui rentre par nos narines. Et on va observer le mouvement de l'air qui sort par nos narines. Si ce n'est pas clair, on peut observer le mouvement de son abdomen et on reste comme ça attentif à notre respiration. Si elle est longue, on sait je respire longuement. Si elle est courte, on sait je respire brièvement. De même pour l'expiration. On est conscient de ce qui se passe. Et en inspirant, on ressent tout notre corps, depuis les pieds jusqu'à la tête. On sent le poids de notre corps sur le coussin, nos jambes sur le sol, notre main droite sur notre main gauche. On ressent toutes les tensions et on revient au souffle. Et on observe ce qui se passe. Et si des pensées surgissent, on les laisse passer comme des nuages dans un ciel bleu. Voilà, aujourd'hui nous sommes samedi 16 janvier 2021. Nous allons parler de l'amitié bienveillante. Vous avez remarqué tout à l'heure, dans notre petite méditation silencieuse, souvent,
on pense qu'on est dans le silence, et en réalité, il y a des pensées qui se sont déjà introduites dans notre esprit sans même qu'on y prenne garde. Et moi, je vous conseille, comme ça, c'est quelque chose qui est dans le Mahasati Patthana Sutta, c'est quelque chose qui est dans les textes, mais de temps en temps, vous pouvez vérifier en vous disant, est-ce que je sais si ma respiration est courte ou longue? Est-ce que je sais si je respire vite ou lentement? Parce que si vous ne savez pas si vous respirez vite ou lentement, si vous ne savez pas si votre respiration est longue, ça veut dire que vous n'êtes pas attentif. Ça veut dire que vous êtes en train de penser, vous êtes en train de gamberger, vous vous êtes laissé piéger par les pensées. Et il faut faire attention parce que soit on décide de faire la méditation samatha, c'est-à-dire soit on essaie de trouver vraiment une tranquillité suffisante, et pour ça il faut faire attention à ne pas se laisser entraîner par les pensées, soit on décide de faire une méditation en vipassana, mais dans ce cas-là il faut tout observer, et il faut aussi observer le mouvement de ses pensées, mais quoi qu'il en soit, nous ne devons pas nous laisser entraîner, nous laisser piéger. Et si nous utilisons la pensée, nous devons l'utiliser de manière ordonnée. Parce que souvent, on croit méditer, mais souvent, en général, on fait que excusez-moi l'expression française, que gamberger. Donc, ce n'est pas le but de la méditation. Alors, je reviens à l'amitié bienveillante. Vous savez que c'est au cœur de l'enseignement du Bouddha, c'est au cœur de l'enseignement du Theravada, c'est au cœur de l'enseignement bouddhiste ici au Centre Bouddhique International, et c'était aussi au cœur de l'enseignement donc de Godwin Samararatne dont je vous parle depuis quelques semaines. Et le mot, vous connaissez probablement, puisque c'est le mot pali qu'on trouve dans toutes les traditions ensuite, aussi bien au Sri Lanka, en Thaïlande, en Birmanie, au Cambodge, au Laos, etc. C'est metta. Alors, en français, on traduit le plus souvent par amitié bienveillante. C'est pour ça que je vais utiliser le terme amitié bienveillante, parce que c'est celui qu'on trouve souvent dans les livres, qu'on trouve souvent, mais il y a d'autres manières de traduire. Donc, c'est bien de connaître les termes pali, parfois, parce que ça permet d'éviter des confusions. Que des gens vous disent quelque chose, mais de quoi tu parles? Ah, tu parles de metta, en fait. D'accord, on est d'accord. Parce qu'il y a parfois on voit la traduction amour bienveillant. Ou alors amour universel. Il y a beaucoup de traductions comme ça, de metta. C'est pas que ce soit les traductions qui soient fausses, mais elles sont un peu trompeuses, parce qu'on peut confondre ce qui est vraiment metta, qui est quelque chose qui est lié à l'enseignement du Bouddha, avec d'autres formes de sentiments ou d'émotions qu'on trouve dans d'autres traditions, et qui n'ont pas forcément exactement la même signification. Donc, c'est pourquoi je préfère utiliser le mot « amitié bienveillante ». Et si vous voulez, dans le... En plus, vous savez qu'en français, le mot « amour » veut dire beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'est le même cas dans vos langues, mais en tout cas, en français, on peut dire « je t'aime » à une femme, on peut dire « j'aime les saucisses », on peut dire « j'aime Dieu », on peut aimer n'importe qui et n'importe quoi. Et donc, c'est un peu le problème de l'amour, du mot « amour ». Alors que dans d'autres traditions, vous savez, les Grecs utilisaient différents termes très très précis pour différencier entre Eros, Agapé, Philia. Il y avait des termes plus précis. Et donc, l'amitié bienveillante, ça n'est pas l'Eros qui veut s'approprier ce qu'il désire. Ça n'est pas non plus l'Agapé sacrificiel de celui qui est prêt à mourir. Même si ça peut se produire, attention, hein. C'est plutôt l'idée d'une convivialité. C'est un maître du Theravada qui s'appelle Thanissaro Bhikkhu, qui vit aux États-Unis,
qui est traduit par convivialité. Je trouve ça assez intéressant. L'idée que méta, c'est chercher le bien de l'autre, mais aussi son bien à soi-même. Chercher son bien, le bien de l'autre et le bien des deux. Donc, il n'y a pas tout pour lui ou tout pour moi. C'est cette idée de convivialité. Donc, c'est intéressant, je trouve. C'est pour ça que, finalement, amitié bienveillante, je trouve que c'est une assez bonne traduction pour exprimer ce qu'est méta. Alors, bon, je suppose que vous savez, et bien évidemment, que dans la tradition du bouddhisme Theravada et du bouddhisme en général, l'amitié bienveillante, elle commence par soi-même. Je pense que ça ne vous choque pas, mais vous savez que dans d'autres traditions spirituelles, religieuses, morales, parfois c'est un peu choquant, parce qu'il y a d'autres traditions où on dit non, il faut pas, c'est égoïste, égocentrique, c'est un péché, il faut aimer les autres, mais il faut pas aimer, s'aimer soi-même, etc. Alors c'est intéressant parce que le Bouddha, lui, est très pragmatique, et il nous dit, commencez par vous aimer vous-même déjà, et ensuite, à partir de cette amitié bienveillante que vous aurez développée pour vous-même, on va essayer d'aimer, d'avoir de l'amitié bienveillante pour les autres. Et vous savez, l'enseignement du Bouddha, il est très pragmatique. C'est-à-dire, ce n'est jamais dogmatique. Ce n'est jamais quelque chose à quoi il faut croire. C'est quelque chose qu'il faut expérimenter. Et ça, c'est vraiment essentiel pour comprendre le bouddhisme. Donc, il n'y a pas de querelle théologique, de querelle théorique. Il y a simplement, vous avez essayé ça ? Essayez ça. Et dites-moi ce que vous en pensez. Donc, le Bouddha nous dit, il a fait l'expérience, il nous propose cette expérience. Commencez par vous-même. Et commençons par être amicaux envers nous-mêmes. C'est d'autant plus surprenant que ça nous paraît évident. Mais en réalité, si on réfléchit bien, on s'aperçoit qu'on n'est pas si amicaux avec nous-mêmes. Souvent, on est très dur avec soi-même. On ne s'en rend pas compte. Hein. On se fait plaisir. Mais parfois, on est très très dur avec soi-même. À un niveau peut-être plus profond. Hein, au niveau des émotions, des sentiments, etc. Donc, Godwin Samararatne, il a cette expression que j'aime beaucoup, il dit qu'il faut apprendre à être son meilleur ami. Donc, est-ce que nous pouvons être notre meilleur ami ? Parce que si vous êtes votre meilleur ami, vous n'allez pas l'entraîner dans des choses catastrophiques, vous n'allez pas lui laisser faire des choses qui vont lui faire du mal, le blesser, etc. Votre meilleur ami, vous allez lui souhaiter du bien. Et donc, si vous êtes votre meilleur ami, il y a un certain nombre de choses que vous pourrez plus faire. Parce que vous savez que, pour des tas de raisons, on se fait du mal. Hein. On se fait du mal dans notre manière de consommer des objets, on se fait du mal dans notre relation avec les personnes, etc. Si on est son propre meilleur ami, on doit pouvoir se regarder en se disant « Mais non, pourquoi est-ce que je ferais ça, puisque ça m'entraîne à tant de souffrances ?» Donc, apprendre à être son meilleur ami, c'est d'abord établir un lien avec soi-même, donc être un peu à l'aise avec soi-même. Souvent, on est mal à l'aise. Hein. Pardon, moi je connais des gens qui, vous savez, comme on dit vulgairement en français, sont à côté de leur pompe, on dit, hein. En argot, côté de leurs souliers. Il faut apprendre à se réconcilier. C'est pas facile, attention, il suffit pas de le dire. Hein. C'est pour ça qu'il faut qu'on pratique une méditation de l'amitié bienveillante. Hein, et qu'il faut qu'on la pratique régulièrement. C'est pas parce que je veux vous dire maintenant soyez amis avec vous-même que hop, ça y est, vous allez. Non, non, on a des mauvaises habitudes. Hein. Il faut qu'on vraiment on a une pratique de méditation à faire pour réorienter, parce que l'amitié bienveillante, ça n'est pas l'égocentrisme, hein. Attention, il va falloir qu'on comprenne bien qu'est-ce que ça représente.
Et donc il s'agit en fait de se réconcilier avec soi-même, et comme dit Godwin, il a une belle expression, c'est de rentrer à la maison. Rentrer à la maison, rentrer chez soi, se retrouver bien chez soi. Je me rappelle une fois au village des Pruniers, vous savez, c'est le centre de Thich Nhat Hanh, le maître vietnamien, il faisait chanter un petit texte qui était « Je suis arrivé, je suis chez moi, il n'y a qu'ici et maintenant ». Donc, arriver chez soi, ici et maintenant. Parce qu'en général, on n'est pas à l'aise avec soi-même, on n'est pas à l'aise dans l'instant, on est toujours en train de le fuir. On a vu ça il y a le mois dernier, soit vers le futur, soit vers le passé à travers nos regrets ou nos remords. Donc, c'est important d'être chez soi, c'est une manière d'être ami avec soi-même. Et donc, une fois qu'on a pu établir ce lien d'amitié avec soi-même, on peut éprouver de l'amitié, une amitié authentique avec les autres. On peut ouvrir son cœur au monde. Parce que si on ne fait pas ça, on peut être dans l'illusion. On croit qu'on est ami avec les autres, on croit qu'on aime les autres, mais en fait, c'est un amour qui est complètement égocentrique, ou alors c'est un amour dans lequel on fuit quelque chose. Mais une amitié authentique, c'est une amitié qui est vraiment apaisée, et c'est une amitié qui se déploie naturellement à partir de notre propre état d'amitié. Et donc, c'est très difficile, je dirais même, c'est impossible de dire qu'on aime les gens, qu'on fait des choses pour les gens quand on se déteste soi-même. Et malheureusement, on a beaucoup d'exemples dans l'histoire de gens qui nous ont expliqué qu'il fallait aimer les autres, mais de gens qui se détestaient eux-mêmes profondément. Donc, il y a un autre aspect. Que si vous n'êtes pas votre ami, si vous ne vous aimez pas vous-même, qu'est-ce qui se passe ? Ben, vous vous haïssez d'une certaine manière. Alors, il y a différents degrés. Ça peut être ne pas s'aimer, ça peut être d'une certaine manière se mépriser, mais on peut même finir par se haïr soi-même. Hein. On peut même se détester soi-même. On peut s'en vouloir. Et finalement, on voit que ses mauvais côtés. On dit « Ah, j'aurais dû faire ça, j'ai jamais été à la hauteur, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais réussi ça, dans ma vie j'ai rien réussi, ou, etc. etc. » Donc on voit que les mauvais côtés. Et si vous voyez que les mauvais côtés, vous devenez votre pire ennemi. Votre pire ennemi, c'est pas les autres, c'est vous. Et quelqu'un qui est son propre ennemi, c'est quelqu'un qui est potentiellement extrêmement violent. Et la plupart des gens qui sont violents dans le monde sont des gens qui sont leurs propres ennemis. Et ils vont simplement extérioriser la violence qu'ils portent en eux, d'abord par la pensée, et par la parole, et par l'action. Donc, si on veut transformer le monde à notre petite échelle, il faut veiller à ne pas se laisser piéger par cette haine de soi. Oui. Parce que si on fait ça, on va créer beaucoup de souffrance. Non seulement on ne va pas se libérer de notre souffrance, c'est le but quand même du Bouddha, c'est de se libérer de la souffrance. Mais non seulement on ne va pas se libérer de la souffrance, mais on va produire de la souffrance. Vous imaginez donc, c'est pas vraiment ce que nous cherchons. Donc il est important d'être amical avec soi-même. Mais alors, ça amène à un autre aspect de l'amitié bienveillante. C'est quelque chose qu'on va faire tout à l'heure dans la méditation. C'est lié à la notion de pardon. Parce que souvent, on pense que c'est une notion qui est purement chrétienne, qu'on trouve uniquement dans les traditions soit juive, chrétienne ou musulmane, le pardon, mais non, le pardon, c'est pas confessionnel. Le pardon,
c'est quelque chose que tout être humain, quelle que soit sa religion ou son absence de religion, peut et doit vivre. Parce que s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de vie commune, il n'y a pas de relation humaine. Et donc, c'est un aspect psychologique très important. Vous savez que dans les monastères bouddhistes, les moines et les moniales ont des moments où ils se demandent pardon. Ils demandent pardon pour des choses qu'ils ont faites. Bon. C'est tout à fait naturel, en fait. C'est un besoin psychologique. Donc, pourquoi le pardon nous intéresse pour l'amitié bienveillante? Parce que nous portons des blessures. Des fois, ça date de notre enfance, mais on a pu accumuler des blessures dans notre jeunesse, on a pu accumuler des blessures. Toute notre vie, on a pu accumuler des blessures. Cette accumulation de blessures, de souffrances, ça crée un obstacle sur notre chemin vers la libération. Vous voyez ? Et ces blessures, il y en a de toutes sortes, mais il y a certaines blessures qui sont liées à ce que les autres nous ont fait, et il y a d'autres blessures qui sont liées à ce que nous avons fait aux autres. Il y a certaines choses, on ne peut pas revenir en arrière, ce qui est passé est passé. Mais il y a néanmoins des choses sur lesquelles on peut travailler qui continuent à nous habiter d'une manière malsaine et malhabile, vous voyez. On continue à porter ces blessures parfois très longtemps. Donc un des aspects de la méditation, c'est aussi de nous libérer de ces blessures. Parce que si nous ne guérissons pas de ces blessures, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous allons encore générer de la souffrance. La souffrance pour nous-mêmes, hein, d'abord, et pour les autres. Et en plus, nous allons générer de la souffrance sans savoir que cette souffrance, elle vient de ces blessures que nous portons. Vous voyez de ce que je veux dire ou c'est trop abstrait? Hein? Donc, et ce genre de vieilles blessures, il y a toutes sortes, hein, blessures affectives, émotionnelles, elles peuvent avoir des impacts dans notre corps, vous le savez ça. Si vous ne le savez pas, c'est intéressant dans la méditation de découvrir ça. Parce qu'il y a des ressentis négatifs, parfois qui sont en quelque sorte cristallisés ou coagulés ou qui se sont un peu comme de la lave qui refroidit, qui ont durci en nous parce qu'on les a pas vus à temps, parce que on a résisté. Et comme vous savez, on l'a déjà vu une autre fois, vous savez que plus on résiste et plus on donne de la force à la chose qui nous attaque, hein. C'est pas dans la résistance, c'est pas dans le combat. Ça, c'est difficile à comprendre, mais si vous comprenez que, en fait, une émotion négative, il faut pas lui résister, mais il faut l'observer. Et comme dit Godwin, il faut même devenir ami avec une émotion négative. Ça paraît bizarre, mais c'est intéressant. Parce qu'en général, quand on a une émotion négative, on cherche à la fuir. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on la met de côté momentanément, mais elle reviendra. Elle reviendra. Bon, c'est pareil pour ce type de blessure. On veut pas en entendre parler. C'est trop douloureux. On a trop souffert avec ça. Une maladie, une séparation, un décès, ou tout ce que vous voulez. Et donc, on a mis ça dans un coin, on a refoulé, mais c'est toujours là. Et ça continue à avoir des effets sans même que nous nous en rendions compte, vous voyez. D'où l'intérêt, justement, de mettre en lumière tout ça et d'observer et de comprendre tous ces processus qui sont en nous. Et parfois, vous savez que ces émotions refoulées, en français, on appelle ça les
les maladies psychosomatiques. Elles peuvent produire des maladies psychosomatiques. Psychosomatique, psyché, en grec, ça veut dire l'âme, et somatos, c'est le corps. Donc, une maladie psychosomatique, ça veut dire que vous avez un problème psychique qui va avoir des répercussions dans votre corps. Et il y a beaucoup plus de maladies psychosomatiques qu'on ne le pense. Il y a énormément de maladies qui en réalité ont pour origine un problème psychologique. Et ça peut aller très loin, hein, ça peut aller jusqu'au cancer, hein, ça peut aller tas de choses qui peuvent nous tuer même. Alors, à un niveau un peu moindre, vous connaissez peut-être cela, moi je connais des personnes qui vivent ça aussi, ce type de souffrance d'émotions négatives, ça peut perturber complètement notre sommeil. Et quand on a un sommeil perturbé, quand on dort très peu, quand on dort très mal, à la longue, sur des semaines, des mois, etc., ça a aussi des effets sur le corps. Et donc, on fait des rêves effrayants, on est terrifié, certaines personnes qui pleurent même pendant leur sommeil. Enfin bref, donc la liste des effets de ces émotions négatives que nous avons refoulées est très longue. Et c'est pas forcément d'ailleurs pendant le sommeil, vous pouvez être à l'état de veille d'un seul coup sans savoir pourquoi. Vous êtes envahi par un sentiment de profonde tristesse, une émotion de tristesse incroyable. Mais ça, c'est normal quand vous savez pourquoi. Et parfois, vous êtes envahi par cette émotion, vous ne savez même pas pourquoi. Et en fait, c'est cette chose qui est en vous, qui continue à vous influencer négativement. Vous savez, le sentiment soit d'avoir peur, mais... Parfois, il est bon d'avoir peur quand il y a des raisons. Et parfois, il n'y a pas de raison d'avoir peur et on a peur quand même. Et la cause de la peur, en fait, est en nous. Elle n'est pas à l'extérieur. C'est la même chose pour le sentiment d'abandon. Vous pouvez avoir l'impression d'être abandonné, qu'on vous a abandonné, que tout le monde vous abandonne, etc. Mais en réalité, c'est un sentiment qui est en vous. C'est ce sentiment qu'il faut essayer de comprendre. Ce sentiment d'abandon. Sentiment d'abandon, vous pouvez le ressentir même si vous êtes entouré de gens qui vous aiment, même si vous êtes entouré de votre famille, etc. Vous pouvez quand même ressentir ce sentiment d'abandon. Ce qui prouve que c'est bien à l'intérieur de nous qu'est la cause. Alors, bon, je dis juste un mot parce que Godwin Samaratne, je crois que je vous en avais parlé précédemment. Il s'est intéressé, il a accompagné des gens en fin de vie, il a aidé des gens qui allaient mourir, et il a une expérience très belle et très profonde de ce type d'accompagnement. Et en fait, il a remarqué que des personnes qui sont comme ça très très fragiles, qui sont en fin de vie, parfois ce type de blessures ressurgissent. Et lui, il pense que c'est parce que, en fait, on est dans un moment de notre vie, on est très très fragile, on n'a plus l'énergie pour refouler ça. On a refoulé toute notre vie, mais là, on ne peut plus refouler, donc ça surgit à ce moment-là. Et évidemment, c'est important pour un bouddhiste, ce moment est important, il est important pour tout le monde, vous allez me dire. Mais... c'est important de se préparer de façon à ce que nous puissions non pas réprimer, refouler, mais laisser apparaître ces choses dès maintenant pour pouvoir essayer de les comprendre, pour pouvoir essayer de les guérir. Alors, c'est ce que dit Godwin un peu en plaisantant, bon. Et il dit que, en fait, ces blessures, à cause de ces blessures, nous ne pouvons ni dormir, ni vivre, ni mourir en paix. Donc, vraiment, on peut rien faire. Donc, la nécessité de les guérir comment? Avec
l'amitié bienveillante. Alors concrètement, il va falloir que nous apprenions à pardonner. Et c'est pareil, il va falloir qu'on apprenne à pardonner, se pardonner à soi-même. Ça paraît évident, vous dites, bon, bah oui, moi. Non, mais ça, vous savez, il y a des étages dans l'âme humaine. Et si vous pratiquez la méditation de manière sérieuse, si vous ne restez pas à la surface, pour ne pas rester à la surface, il ne faut pas gamberger. Il faut justement avoir cette qualité, ce silence qui permet de voir un peu plus en profondeur au fond de nous. À ce moment-là, vous verrez qu'il y a des tas de choses que nous ne nous sommes pas pardonnées. Donc, se pardonner à soi-même et pardonner aux autres. Alors, il y a quelque chose, des choses simples que nous savons tous, qu'on peut dire, c'est que, d'abord, la plupart des blessures, elles se sont passées dans le passé. D'accord ? Passé, bon. On ne peut pas changer le passé. C'est d'une banalité, hein, ce que je dis, c'est vraiment un lieu commun. Mais enfin, il faut quand même accepter ça. Donc, pourquoi porter ce fardeau du passé, alors que précisément tout a changé, tout se transforme, mais nous sommes toujours en train de porter ça, et nous sommes toujours en train de souffrir, et comme je l'ai dit tout à l'heure, non seulement nous sommes en train de souffrir, mais nous faisons souffrir les autres. Vous avez des gens qui sont malheureux parce qu'ils ont vécu une expérience il y a 10, 20, 30 ans, une expérience très douloureuse, ils n'ont pas pu guérir, ils portent toujours en eux, qui les fait souffrir, et ces gens-là font souffrir les gens autour d'eux. Alors, même qu'ils sont totalement innocents peut-être, et le Bouddha nous explique que si on veut se libérer de la souffrance, à un moment donné, il va falloir faire face à ces blessures. Il faudra arrêter de fuir. Alors, je vais revenir au pardon tout à l'heure, hein. On va même faire dans la méditation guidée, on va essayer de faire quelque chose ensemble. Pour ça, je regarde la montre, parce que comme ça, je dois m'arrêter, on doit tout avoir fini assez tôt pour pouvoir rentrer chez nous. Ça sera une séance un petit peu plus courte, mais l'essentiel, c'est qu'on aille à l'essentiel, justement. Alors, comment se positionner, si j'ose dire, face aux situations, aux émotions désagréables ou négatives qu'on rencontre dans la vie, qu'on a rencontré, qu'on va rencontrer à des degrés divers. Ça peut être petite irritation, mais ça peut être aussi une dépression, ou ça peut être un état de colère, de fureur. Vous avez toute la gamme, toutes les palettes, tous les degrés d'intensité de ces émotions négatives. Donc, ce que nous propose la tradition, c'est de bien considérer que, comme je le disais tout à l'heure, au moment où se produit tout se passe à ce moment-là. Et c'est là où l'importance de l'attention. Vous vous souvenez, j'ai fait une conférence sur l'importance de l'attention. C'est très important de cultiver l'attention parce que c'est dans cet instant, cette fraction de seconde où vous allez vous sentir blessé, où vous allez éprouver un ressentiment de la colère, de la haine, de la tristesse, de la frustration, etc., etc. Il faut que vous vous entraîniez à être attentif de façon à ce que, à ce moment-là, vous ayez le recul suffisant pour observer cette émotion négative et ne pas lui résister. Paradoxal, parce que vous allez me dire, mais vas-y, il faut bien qu'on se batte, il faut bien qu'on lutte. Non, c'est pas ça, la voie du Bouddha. Parce que si vous résistez, vous donnez encore plus de force
à l'émotion négative. Ça, c'est... Vous connaissez la fable du chêne et du roseau, hein? La fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. C'est pas lui qui l'a inventé, ça vient d'Orient, mais... Si vous résistez, un jour, crac. Alors que le roseau, lui, il est souple. La neige tombe dessus, mais il se plie un peu, mais il se redresse. Vous voyez ? C'est le principe des arts martiaux, hein, le principe du judo. Donc, il faut essayer de comprendre que c'est pas dans la résistance aux émotions négatives qu'on va pouvoir s'en libérer. Donc, on va utiliser la méditation de l'amitié bienveillante pour être ami avec les émotions négatives. Et ça, je suis d'accord, quand on le dit théoriquement comme ça, ça paraît difficile à comprendre, ça paraît même absurde. Mais il faut le pratiquer dans la méditation. Dans la méditation, tout à l'heure, on essaiera de faire ça. Si vous avez une émotion négative, au lieu de la rejeter, au lieu de résister, au lieu de combattre, vous l'accueillez. Un peu comme un convive qui n'a pas été prévu dans une fête et vous voyez que c'est une personne que vous appréciez pas et vous pensez que peut-être cette personne elle va faire un scandale chez vous, et alors de manière subtile et intelligente, au lieu d'essayer de la chasser, vous l'invitez. Vous voulez prendre un verre, vous voulez passer et vous désamorcez et vous découvrez cette personne et cette personne elle se met à parler et au lieu d'être agressive, elle perd sa puissance. Et c'est exactement la même chose avec l'émotion négative, vous voyez. Vous ne la combattez pas, vous la laissez entrer, vous proposez même d'être son ami, au moins quelques instants, quelques temps. Et c'est dans cette relation d'amitié qui va se découvrir des tas de choses. Donc c'est important, parce que là, la voie du Bouddha, c'est une voie vraiment originale, mais c'est une voie qui est vraiment efficace. Parce qu'au lieu de dire non, en fait, on dit oui. On dit oui, mais c'est subtil, hein. On dit oui, c'est pas parce qu'on est masochiste, hein. On dit oui, c'est parce qu'on veut se libérer de cette souffrance. Comme dans le judo, vous savez, moi quand j'étais enfant, je faisais beaucoup de judo. Vous utilisez la force de votre adversaire pour le vaincre. C'est pour ça qu'au judo, il y a des gens qui sont plus petits qui arrivent à renverser des gens qui sont plus grands, parce qu'ils utilisent la force de l'autre. Hein? Donc, on va utiliser l'énergie même de l'émotion négative pour la vaincre, mais pour ça, on ne va pas l'affronter de face, on ne va pas lui résister, on va plutôt essayer d'être ami avec elle pour comprendre. C'est vrai avec les gens, hein, entre parenthèses, vous savez, les gens souvent, on rentre dans des tensions absolument incroyables, alors qu'il y a certainement une autre manière de les prendre, et de désamorcer, un certain nombre de conflits, simplement parce que il y a des paroles qui doivent être dites à un moment donné, parce qu'il y a des malentendus, parce qu'il y a des choses comme ça. Alors, un aspect important, je reviens au côté positif maintenant de l'amitié bienveillante, c'est de voir en nous les qualités positives. Qualités positives à tous les niveaux. Vous avez forcément, il y a forcément en vous quelque chose, qualité positive. Vous avez forcément en vous, à un moment donné, fait du bien à quelqu'un. Vous savez faire certaines choses, vous avez des compétences, vous avez des qualités, vous avez... Et donc, il ne faut pas les oublier, parce que si on ne voit pas ces qualités positives, eh ben, c'est le contraire qui va se passer, c'est-à-dire on va ne plus voir que nos erreurs. Là, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire ça, je suis nul dans cette matière, puis j'ai fait tellement de bêtises, et puis dans ma vie, j'aurais dû faire ça, je ne l'ai pas fait, etc., etc. Donc, en fait, on accumule ça, et Godwin, il appelle ça se donner des mauvais points. Donne des mauvais points comme à l'école. Vous voyez écoutez, il faut savoir se donner des bons points aussi. Hein, mais c'est
c'est une stratégie, hein. C'est, on rééquilibre un petit peu les choses. On rééquilibre un petit peu les choses et on essaie du coup aussi d'observer les qualités positives chez les autres. Vous voyez? Parce que l'amitié bienveillante, le but quand même, c'est qu'on essaie de développer cette amitié pour nous, mais le but, c'est d'élargir. Ça n'est que le début, hein. Si l'amitié bienveillante s'arrêtait à nous-mêmes, alors oui, elle serait tout à fait négative, elle serait immorale. Mais elle commence par nous-mêmes, parce qu'elle doit se déployer ensuite. Elle va se déployer à ceux qui sont les plus proches, et de proche en proche, c'est le cas de le dire, on va déployer l'amitié bienveillante à notre famille, à notre ville, à notre pays, au monde entier, à la création tout entière. Et vous savez que dans l'amitié bienveillante sont compris aussi les animaux, sont compris tous les êtres, sont compris, si vous y croyez, les dieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Et c'est pour ça qu'on dit que l'amitié bienveillante est illimitée. Illimitée. Hein, c'est une des quatre demeures de Brahma. Quatre demeures, les quatre pensées illimitées. Vous avez Metta, l'amitié bienveillante, Karuna, la compassion, Mudita, la joie participative, et Upeka, l'équanimité, ou on peut dire aussi l'égalité d'âme, c'est la même chose. Hein. Les quatre demeures de Brahma, ces quatre pensées illimitées qu'il faut cultiver. Aujourd'hui on parle juste de l'amitié bienveillante, mais c'est-à-dire que c'est lié en fait. Donc, en voyant nos qualités, on va aussi voir les qualités des autres. On va dire, mais tiens, mais cette personne... Attention, au début, c'est facile, parce que vous allez voir les qualités positives des gens que vous aimez bien, vous allez en trouver facilement. Évidemment, le but du jeu, c'est d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire que c'est des gens pour lesquels vous n'éprouvez pas forcément de sympathie. C'est là que ça va devenir intéressant. C'est de commencer à voir des qualités... chez les gens que vous ne trouvez pas sympathiques a priori, vous voyez, parce que c'est le but, c'est quand même d'arriver à un point où au fond il n'y aura plus de différence entre soi-même et les autres, ça veut dire différence de traitement. Et alors c'est là où je viens au lien entre les quatre pensées illimitées, hein. En fait, si vous développez l'amitié bienveillante, alors vous allez voir la compassion, en fait, elle va surgir. Parce que si vous avez de l'amitié pour quelqu'un, et si vous voyez que cette personne, elle souffre, vous allez éprouver de la compassion. Donc, il y a un lien entre l'amitié bienveillante et la compassion. Hein. Et par ailleurs, quand on éprouve de l'amitié bienveillante et que cette amitié bienveillante nous soit rendue ou non, d'ailleurs, si elle nous est rendue, évidemment, c'est encore mieux, mais même si elle ne nous est pas rendue, le fait même de développer de l'amitié bienveillante pour vous-même et pour les autres, vous allez voir que non seulement ça engendre de la compassion, mais ça engendre de la joie. Il y a une source de joie dans l'amitié bienveillante. Et comme vous savez, la joie, c'est un des facteurs d'éveil. 7 facteurs d'éveil. Un des 7, c'est la joie. Et la joie, c'est très important de cultiver la joie. Interrogez-vous dans votre existence. Ça se cultive, la joie. On peut la cultiver, même quand ça va très mal. Surtout, quand ça va très mal, on doit se dire, mais comment, par quel moyen puis-je cultiver la joie? Parce que c'est important. Et là, on voit que l'amitié bienveillante peut nous permettre de cultiver cette joie. Et la joie, à son tour, elle va nous permettre de développer une certaine tranquillité, une certaine concentration, et finalement, une certaine équanimité. Et vous savez que c'est la quatrième, ce que j'ai cité tout à l'heure, quatrième demeure de Brahma, quatre demeures de Brahma, donc, qu'on traduit par équanimité, on peut dire égalité d'âme,
Equa en latin, equa animus, animus c'est l'âme, donc équanimité ça veut dire âme égale. Donc on peut traduire en français égalité d'âme, c'est exactement la même chose que équanimité. Et par conséquent, cultiver l'amitié bienveillante nous permet de laisser s'exprimer la compassion. La compassion elle-même va provoquer de la joie, et la joie va amener à l'égalité d'âme. Donc vous voyez que... Bonjour. Vous voyez que les quatre sont liés, en fait. Les quatre se développent... Alors je suis désolé, aujourd'hui c'était un peu plus tôt, c'était, je ne sais pas si vous avez été prévenu, c'était à 14h, vous n'avez pas été prévenu. C'est à cause du couvre-feu. Ah oui, d'accord. Donc on a commencé à 14h et donc du coup on va finir à 16h. Voilà. On va finir à 16h, mais écoutez, il nous reste quand même 3 quarts d'heure. Hein, voilà. J'essaierai de redire quelques petites choses sans... Donc on parle de l'amitié bienveillante aujourd'hui, metta. Hein. Donc là j'ai expliqué le lien entre metta et les trois autres demeures de Brahma qu'on appelle karuna, la compassion, mudita, la joie, et upeka, l'égalité d'âme. J'essaie de vous montrer comment en fait elles étaient liées. Et j'ai dit tout à l'heure que... Je vous résume très très rapidement que l'amitié bienveillante devait commencer par soi-même, même si ça nous paraissait étrange parfois dans notre culture occidentale et égocentrique, alors qu'en réalité le Bouddha dit que nous devons commencer par nous-mêmes, mais que évidemment si on s'arrêtait à nous-mêmes ça serait tout à fait négatif. Le but c'est ensuite à partir de nous-mêmes de déployer cette amitié bienveillante de proche en proche autour de nous. Hein, mais de croire qu'on va pouvoir éprouver de l'amitié pour les autres si on se déteste soi-même, c'est une illusion. Donc ça c'est important. J'ai dit un mot sur le pardon aussi, mais on va revenir parce qu'on va faire une méditation d'amitié bienveillante. Excuse-moi. Oui. Quand vous dites l'amitié bienveillante, on commence d'abord par nous-mêmes. C'est nous-mêmes envers les autres ou nous-mêmes d'abord. Nous d'abord pour soi-même. Il faut commencer par éprouver de l'amitié bienveillante pour soi-même. C'est pour ça que je vous dis que ça peut être choquant, parce que dans certaines traditions, on dit « mais non, c'est mal de s'aimer soi-même, il faut aimer les autres ». Non, le Bouddha il dit « commencez par vous aimer vous-même déjà, et ensuite vous allez aimer les autres ». Parce que si vous vous détestez, si vous vous haïssez, vous n'arriverez pas, ce ne sera pas une véritable amitié authentique que vous aurez pour les autres. Hein? Donc on a parlé de ça tout à l'heure. On a dit que la méditation de l'amitié bienveillante, il y a cette dimension très importante de savoir se pardonner et de pardonner aux autres, parce que nous portons des blessures parfois très anciennes, très vieilles, que nous avons eues depuis notre enfance, notre vie, et que ces blessures en fait nous conditionnent, nous déterminent. Et ça fait partie du projet du Bouddha, mais de la méditation bienveillante, de guérir de ses blessures. Donc vous voyez que là, on touche à quelque chose d'important. C'est pas théorique, on n'est pas en train de... Si on veut vraiment s'engager sur cette voie, c'est une voie pratique, c'est une voie de guérison. Et donc ça veut dire qu'on doit pouvoir aussi vérifier, si vous dites que vous êtes bouddhiste, si vous dites que vous pratiquez, et que au bout de 10 ans ou 20 ans, etc., vous êtes toujours rempli des mêmes blessures violentes, si vous n'avez pas au moins un petit peu apaisé, vous voyez, si en vous il y a toujours autant de passion, de colère, de désir, de tristesse, de désespoir, enfin vous savez que la liste elle est immense, c'est qu'il y a un problème dans votre méditation. Hein. Le bouddhisme c'est pas la croyance dans des idées, c'est vraiment un chemin de transformation. Donc ça c'est vraiment très très important qu'on comprenne ça. Donc, on était justement en train de dire que il fallait pas essayer de lutter contre les émotions négatives, il fallait pas essayer de résister, parce que plus on résiste et plus on leur donne de la force, mais que le programme, excusez-moi l'expression, de l'amitié bienveillante, c'est non seulement
de développer de l'amitié bienveillante vis-à-vis de soi-même, mais même vis-à-vis des émotions négatives. Ça paraît surprenant, mais comme je disais tout à l'heure, je prenais la comparaison avec quelqu'un qui s'inviterait dans une... Vous faites une soirée chez vous, puis il y a quelqu'un qui, que vous n'avez pas invité, que vous trouvez très antipathique, et qui s'introduit. Alors vous pouvez soit lui dire de partir, à ce moment-là il va s'énerver, il va faire une esclandre, ça va dégénérer, peut-être qu'il va y avoir une bagarre, etc. Et toute votre fête, elle va être gâchée. Soit vous êtes plus subtil, plus malin, et à ce moment-là, vous dire entrez, prenez un verre, et vous discutez avec lui, vous êtes ami, vous vous faites ami avec cette personne, elle est étonnée, et elle se met à s'épancher, elle se met à dire des choses, vous commencez à la comprendre. C'est exactement pareil pour une émotion négative ou un sentiment négatif. Au lieu de résister, vous l'accueillez, vous lui offrez un verre et vous discutez avec elle, ou plutôt, vous l'écoutez. Donc, votre émotion négative, laissez-la rentrer, ça ne veut pas dire que vous allez vous faire avoir, hein. Ça veut dire que vous allez l'écouter. Tiens, qu'est-ce qu'elle a à me dire sur moi-même? Qu'est-ce que je vais apprendre sur moi-même en écoutant cette émotion négative, cette blessure? J'ai dit aussi qu'il fallait voir aussi ses bons côtés. Il ne fallait pas seulement toujours ne voir que ses mauvais côtés. Ça fait partie de l'amitié bienveillante, d'arrêter de se donner des mauvais points sans arrêt, dire je suis mauvais, je suis nul, je ne sais pas faire ça. Il faut aussi voir aussi les bons côtés en soi et de la même manière, travailler à voir les bons côtés chez les autres. Dire mais en fond, mais cette personne, elle a beaucoup de vertus, ou elle sait faire ça, ou il y a toujours quelque chose de bien chez les autres. Et nous, en général, qu'est-ce qui se passe? On voit le mal, hein, d'abord. Ou alors on voit le bien, puis après on est déçu parce qu'on en reparlera, mais parce qu'on met la personne sur un certain piédestal, puis ça ne correspond pas à l'idée qu'on avait de cette personne, et donc on est déçu, et donc on lui donne un mauvais point. Vous voyez, tout ce processus. Alors... Maintenant, je vais vous raconter une petite histoire avant de faire la méditation. Parce que il y a une chose que vous auriez pu me dire, mais c'est vrai que là, on n'est pas dans une discussion, mais c'est vrai qu'il y a une objection qu'on peut dire, finalement, mais l'amitié bienveillante, si on la cultive, bon, d'accord, pour soi-même, ensuite on la cultive sur les autres, est-ce que à force de développer l'amitié bienveillante avec tout le monde, est-ce qu'on risque pas, finalement, de se faire marcher sur les pieds? Vous voyez ce que je veux dire? De se laisser exploiter, etc. Il y avait une dame, je me rappelle, au début, tout au début des séances, qui était amusante, qui était là, qui avait dit « Mais on n'est pas des bisounours. » Mais en fait, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre qu'on n'est pas des bisounours, hein, c'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus subtil, hein. Je prenais la comparaison des arts martiaux, en fait, on utilise la force de l'adversaire pour le vaincre. Hein, donc le but, c'est bien de vaincre les passions, notre objectif, c'est bien de nous débarrasser l'avidité, de l'aversion et de l'ignorance. Hein. Les trois, comme dit dans la tradition tibétaine, on dit les trois poisons. Donc le but, c'est bien de nous en débarrasser, mais pour nous en débarrasser d'une manière vraiment efficace et à long terme, il faut qu'on utilise une stratégie efficace. Alors, pour répondre à l'objection éventuellement qui consisterait à dire « Mais attention, est-ce que l'amitié bienveillante ne nous conduit pas à nous laisser nous exploiter ?» Godwin Samararatne, donc... J'expliquais aussi au début que mon livre sur Godwin Samararatne vient juste de sortir et il contient tous les enseignements en fait que je donne ici. Hein. Donc voilà. Et donc il raconte une histoire que moi je trouve très amusante. Bon, c'est une histoire spirituelle. Hein. Ne vous attendez pas à vous rouler par terre de rire. Donc je vais vous lire c'est l'histoire d'un cobra. Vous savez, ces serpents très dangereux qu'on trouve dans pas mal de pays, en Asie notamment, en Thaïlande, il y a beaucoup de serpents. Alors, il était une fois un cobra qui pratiquait l'amitié bienveillante dans une forêt. Et ce cobra, il répétait sans cesse
Que tous les êtres soient heureux, que tous les êtres soient libérés de la souffrance. Vous voyez, c'est un super cobra, quoi. Cobra bouddhiste. Et un jour, il y a une vieille femme qui est presque perdue la vue, qui est venue, qui a habité dans une petite maison à côté de la forêt, et qui est venue pour ramasser du bois de chauffage. Là où le cobra, il est en méditation, que tous les êtres soient heureux, que tous les êtres soient libérés de la souffrance, etc. Et cette vieille dame qui voyait plus très bien, elle a ramassé du bois comme ça, et elle a cru que le serpent c'était une corde. Et alors, elle a commencé à l'utiliser pour empaqueter le bois. Comment elle, elle a pris comme ça, et elle a entouré le bois. Et le cobra, il était là, que tous les êtres soient heureux, que tous les êtres soient libérés de la souffrance. Comme il pratiquait l'amitié bienveillante, il s'est laissé faire. Vous voyez, et il était comme ça. Et la petite dame, elle est repartie chez elle avec le fagot de bois de chauffage à la maison. Et hop, elle a posé son bois. Et quand elle avait le dos tourné, oh, le cobra, il a réussi à se libérer. Et il est retourné dans la forêt, le corps tout douloureux, tous les anneaux tordus, vous savez, un peu comme dans le livre de la jungle, je ne sais pas si vous vous souvenez, dessin animé de Walt Disney, où on voit le serpent comme ça. Qui... Bon. Et alors, il n'était pas du tout content, et il s'est dit, je vais aller voir mon maître spirituel, qui m'a enseigné la médecine bienveillante. Et alors, il va voir son maître de méditation, et lui dit, maître, j'ai adopté la pratique de l'amitié bienveillante que vous m'avez enseignée, et regardez dans quel état je suis, vous voyez, les blessures, vous voyez, la douleur que je ressens dans tout mon corps. Alors, votre méthode de l'amitié bienveillante, je suis désolé, mais moi, ça ne me convient pas du tout. Et alors, à ce moment-là, le maître lui dit, non, tu n'as pas pratiqué l'amitié bienveillante, tu as pratiqué l'amitié stupide. Alors l'autre, il ne comprend pas, il dit, mais pourquoi vous me dites ça, maître? Ah, tu aurais dû tout simplement siffler. Parce que les cobras, ils sifflent comme ça. Et si tu avais simplement sifflé au moment où la vieille dame approchait, elle ne voyait pas, mais elle aurait entendu, elle aurait vu qu'il y a un serpent, tu serais parti et tu n'aurais pas eu de problème. Donc, le cobra, en entendant cette parole, il a obtenu l'illumination, c'est devenu un cobra libéré. Et nous, ça nous intéresse cette histoire, parce qu'en fait, ça nous dit juste une chose, c'est qu'il faut savoir siffler. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de vous faire marcher sur les pieds, vous n'êtes pas obligé de vous laisser exploiter par des patrons, ou par des personnes, ou qui que ce soit. Ça n'a rien à voir. Pratiquer l'amitié bienveillante, siffler, ça veut dire montrer à certaines personnes qu'il y a des limites. Mais vous n'êtes pas obligé de les détester, vous n'êtes pas obligé de les haïr et vous n'êtes pas obligé d'être agressif, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Et par contre, vous pouvez poser des limites, parce que si vous ne posez pas les limites, alors là, effectivement, vous allez avoir des problèmes, des problèmes, des problèmes. Voilà, bon. C'était cette petite histoire simplement, je trouve amusante parce que elle est très réaliste. Hein. Il ne faut pas considérer la pratique de l'amitié bienveillante comme quelque chose de complètement idéaliste, coupé de la réalité du monde. Hein. Au début de cette conférence, je disais qu'une des manières de traduire méta, c'était la convivialité. Vous voyez. C'est chercher le bien de l'autre. Le bien de soi et le bien des deux. C'est ça qu'il faut. Et c'est quelque chose que vous pouvez vous poser. Par exemple, vous êtes en train de faire quelque chose ou vous allez faire quelque chose, vous vous demandez, vous pouvez vous dire, est-ce que c'est pour mon bien, pour le bien de l'autre et pour le bien des deux? Parce que des fois, vous verrez qu'il y a des choses, c'est uniquement pour le bien de l'autre, mais c'est pas forcément bien. Vous allez vous sacrifier. Mais vous verrez qu'à long terme, ce sacrifice, de toute façon, aura des répercussions négatives. Ou alors, vous allez chercher que votre bien et pas le bien de l'autre. Bon, ok, ça s'appelle l'égoïsme. Mais le Bouddha, il dit non, vous devez rechercher
le bien de l'autre et votre bien et le bien des deux. C'est plus subtil, mais ça permet aussi un discernement dans les actions, dans les pensées et dans les paroles. Vous voyez, on peut être amené à ne voir qu'un aspect. Métta, l'amitié bienveillante, ça englobe tout ça. Alors moi, je vous propose comme ça, avant de faire une méditation de l'amitié bienveillante, je vous propose de faire je vais vous poser une question, vous allez me dire ce que... Il ne s'agit pas de discuter pendant des heures, c'est juste, c'est intéressant. J'aimerais avoir votre avis, on peut même voter si vous voulez. Qu'est-ce qui est plus facile à faire, à votre avis, qu'est-ce qui est plus facile à faire, se pardonner à soi ou pardonner aux autres? Vous pouvez réfléchir un peu. Qu'est-ce qui est plus facile? Est-ce que c'est plus facile de pardonner aux autres ou est-ce que c'est plus facile de se pardonner à soi? Alors on va faire un vote. Alors, qui c'est qui pense que c'est plus facile de se pardonner à soi? Ah, il y a une seule personne, c'est tout? Vous avez compris, madame, ou pas? Est-ce que c'est plus facile de pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal? Ok? Vous lui pardonnez? Ou est-ce que c'est plus facile de pardonner à vous-même? Par exemple, vous avez fait du mal à quelqu'un. Vous avez fait du mal. Est-ce que c'est plus facile de vous pardonner ou est-ce que c'est plus facile si quelqu'un vous a fait du mal de lui pardonner? À votre avis, c'est quoi qui est plus facile? De pardonner aux deux. Non, mais ma question c'est qu'est-ce qui est plus facile, de se pardonner à soi ou de se pardonner aux autres? Non, mais il faut répondre. Aux autres. Alors. Il ne s'agit pas de pardonner. Il ne s'agit pas de pardonner à soi. Il s'agit de prendre conscience du mal qu'on fait aux autres et ensuite de réparer la faute pour les conséquences de notre action sur l'autre. On fait réparation sur lui et du coup, on se sent léger. Tout à fait, bien sûr. Le pardon, si, c'est un acte de contrition. Oui, c'est une question de mots. Vous pouvez utiliser le mot contrition, etc. Moi, je dis pardonner, c'est quand quelqu'un vous a fait une blessure, vous pouvez nourrir de la haine, de l'animosité pour quelqu'un, et je suis persuadé que ça vous est déjà arrivé. Et pardonner, ça veut dire à un moment donné, dire cette personne qui m'a fait du mal, ok, je lui pardonne. Vous voyez? Et cette personne, elle peut être morte, et vous pouvez continuer à la détester, ou elle peut être à l'autre bout du monde, et vous pouvez continuer à la détester, et vous pouvez rien faire pour elle. Donc moi, je vous parle de quelque chose qu'on vit tous, Donc, je reprends ma question. Donc, monsieur dit que c'est plus facile de se pardonner à soi. Et tout le monde, vous pensez que c'est plus difficile de pardonner aux autres. Mais quand on pardonne, je crois que c'est surtout accepter ce qu'on fait pour nous, sur nous, on accepte. Mais on ne peut pas pardonner, on accepte, puis on subit, on accepte les conséquences de cette méchanceté sur nous, on accepte, mais on ne laisse pas la notion de méchanceté, de haine en nous. Mais est-ce que vous pardonnez à la personne qui vous a fait du mal? Et du coup, c'est UPK. Oui, mais est-ce que vous pouvez pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal? Je crois que c'est ça, non? C'est... Non, mais c'est... répondez-moi, est-ce que vous pouvez pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal? Mais puisqu'il ne nous demande pas pardon. Et moi, je vous pose la question, si quelqu'un vous a fait du mal. Si la personne reconnaît sa faute et dit, je m'excuse. Non, quelqu'un qui... D'accord, on laisse tomber. Moi, quelqu'un que vous... Si elle ne nous demande pas pardon, oui. Parce qu'on accepte les conséquences de son acte, et puis bon, dès qu'on accepte sur soi, c'est terminé. Mais est-ce que vous lui pardonnez? On veut plus. Est-ce approcher. Que vous lui pardonnez à cette personne? Et c'est ça, c'est pas ça le pardon. Vous voyez, donc c'est intéressant parce que madame, elle résiste à ma question, elle veut pas entendre ma question, parce qu'en fait, elle veut pas pardonner. Donc là, on a un cas intéressant. Mais qu'elle reconnaisse qu'elle demande pardon pour qu'on. Donc je vous demande. Elle demande pas pardon. C'est pas la peine. Mais c'est ce que je vous demande. On accepte et puis. Donc si elle vous demande. Ok, donc si elle vous demande pas pardon, vous ne lui pardonnez pas. Non,
on accepte. Non mais répondez-moi. Vous lui pardonnez. Non mais répondez-moi. Et si elle ne vous demande pas pardon, vous ne lui pardonnez pas. Oui ou non? Est-ce que vous lui pardonnez ou pas si elle ne vous demande pas pardon? Ben non. Ah ok. Mais voilà. Attendez, ça c'est ma question à moi. Mais attendez. Donc vous ne lui pardonnez pas. Donc, et il faut être clair, il ne faut pas éviter les choses. Il n'y a pas de Moi je vous pose une question, je vous dis si vous devez choisir entre deux choses, c'est ça ma question, si vous devez choisir, qu'est-ce qui est le plus difficile? Et qu'est-ce que vous entendez par pardonner alors? Ah, mais c'est ce que je viens d'expliquer depuis une heure, mais je vais vous réexpliquer alors. Ouais. Donc, c'est très simple, hein. Quelqu'un vous a fait du mal, vous lui en voulez, et un jour vous lui pardonnez. C'est très humain, c'est ça pardonner. Vous comprenez? C'est-à-dire oublier? Non, l'oubli vient après. Dans la plupart du temps, vous avez oublié, mais dans votre inconscient, vous n'avez pas pardonné. Donc en fait, la blessure est toujours là. Donc pardonner, c'est du fond du cœur, je te pardonne. Ce n'est vraiment pas compliqué. Normalement, tout le monde doit pouvoir comprendre ça. Hein? Quelqu'un vous a fait du mal, ok, vous lui pardonnez, ou vous ne lui pardonnez pas. Si vous me demandez qu'est-ce que c'est que le pardon, j'essaie de vous expliquer ce que c'est. Mais je crois que c'est quelque chose d'assez simple. Normalement, on devrait savoir ce que c'est. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que le pardon. Bon, c'est simple, il n'y a rien de mystérieux, il n'y a rien Elle ne se pardonne pas, elle ne peut pas pardonner à l'autre. Mais attention, ne vous jugez pas surtout, s'il vous plaît, parce que là on est hors dehors du bouddhisme là. Donc on ne juge pas les autres, hein. J'essaie de vous expliquer. Un jugement, c'est une constatation. Attendez. Oui, pour l'instant, je vous ai posé une question, savoir si c'était plus difficile de vous pardonner ou de pardonner aux autres. Pourquoi? Parce que... Se pardonner est le plus difficile. Mais ça dépend des gens, justement. Pour vous, c'est le plus difficile. Mm. Vous voyez? Mais parce que... Mais si vous une permettez... fois que vous vous faites pardonner par votre intérieur, par votre autocritique, vous réussissez à pardonner votre adversaire. C'est terminé. Ok, alors, donc, maintenant, et ce que je voulais vous dire, c'est que ça explique des psychologies différentes. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas, en réalité, à ma question, il n'y a pas un qui est vrai et l'autre qui est faux. C'est simplement, c'est révélateur de nos propres psychologies. Vous avez des gens pour qui c'est plus facile de pardonner aux autres, et vous avez des gens pour qui c'est plus facile de se pardonner à soi. C'est parce qu'on est différents. On a tous une sensibilité différente. Et donc, le but, c'est pas de répondre bien ou mal, d'avoir un bon point, ou de se juger les uns ou les autres. Là, si on fait ça, on est complètement à côté du chemin. Le but, c'est de nous connaître nous-mêmes. Donc, dire, tiens, c'est intéressant. En fait, ceux qui ont du mal à se pardonner, en général, sont très durs avec eux-mêmes. Si vous dites, moi j'arrive à pardonner aux autres, mais j'arrive pas à me pardonner, c'est que vous êtes dur. Vous avez une certaine dureté vis-à-vis de vous-même, une exigence vis-à-vis de vous-même. Et c'est là où il faut travailler sur l'amitié bienveillante, sur soi-même. Donc, cette petite question que je vous ai posée, c'est pour essayer non pas de se bloquer dans des idées préconçues que vous avez, parce que vous croyez savoir que c'est comme ci ou c'est comme ça. Non, il faut laisser tomber tout ce que vous savez, laisser tomber toutes vos certitudes, observer au fond de vous, tiens, mais est-ce que j'ai du mal à pardonner aux autres, ou est-ce que j'ai plutôt du mal à me pardonner à moi? Et vous verrez que dans un cas comme dans l'autre, ça montre une sensibilité différente. Par exemple, les gens qui ont du mal à pardonner aux autres, qui se pardonnent eux, vous voyez, ils ont fait des bêtises, ils ont fait des choses, ils ont fait des méchancetés, etc., etc. Mais bon, ils se pardonnent eux-mêmes, mais par contre, ils pardonneront jamais une chose qu'on leur a faite, vous voyez. Donc c'est intéressant parce que ces gens-là, ils sont plutôt plus durs avec les autres, vous voyez. C'est simplement, évidemment, il y a des degrés, ça peut être... C'est souvent comme ça. C'est souvent comme ça. On comprend que les autres, ils n'ont pas le droit de vous faire mal.
C'est nous qui avons fait, on trouve toujours une raison. Voilà. Qu'on a raison de faire ça. Absolument. C'est donc, souvent comme ça. C'est pour ça que l'amitié bienveillante, c'est super important. C'est qu'en fait, la méditation de l'amitié bienveillante, ça doit nous aider à dépasser ça. Ça doit nous aider à sortir de ce cercle vicieux où lui ou moi, ou se détester soi-même ou détester l'autre. Non, on doit arriver progressivement à se pardonner soi-même. On doit arriver à se pardonner, à pardonner aussi aux autres. C'est pas facile, attention, c'est pas facile du tout. Si c'était facile, on serait pas là. C'est le but même de notre pratique. Et ça peut prendre parfois des mois, des années, hein. Mais il faut que vous en preniez conscience, parce qu'on ne peut pas dire qu'on chemine sur la voie du bouddhisme si on n'a pas pris conscience de ça et si on continue à entretenir, en fait, des fois on ne s'en rend pas compte, hein, de la haine ou du ressentiment pour certaines personnes. Et en général, on a tous eu dans notre existence des choses, des blessures, et on les a refoulées en fait. On ne veut pas trop les voir. Alors, c'était juste pour vous faire réfléchir, mais comme le temps passe et qu'on doit se quitter bientôt, je vais vous proposer une petite méditation. C'est une méditation guidée, donc je vais un tout petit peu parler. On va essayer de se mettre quand même en position, on va essayer de respirer quand même quelques instants pour trouver un petit peu de silence. Et je vais vous proposer, simplement écouter mes paroles et essayer vraiment du fond du cœur. On va essayer de faire ça. Si vous vous en souvenez, vous pourrez le faire chez vous après, en prenant plus de temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Ok ? Bon, on va commencer par trouver une bonne position. On va revenir à notre respiration. Retrouver du calme, retrouver de la sérénité, retrouver la joie. Observez bien votre souffle. Est-il court? Est-il long? Est-il rapide? Est-il lent? Revenez au calme. Pour l'instant, on va laisser passer les pensées tranquillement, on va faire un peu de silence, on a besoin de quiétude, on a besoin de sérénité, on a besoin d'avoir un esprit ouvert, d'être comme des enfants. On ne sait pas, on observe, nous n'avons aucune certitude, nous expérimentons simplement. Nous essayons d'observer en nous, au fond de nous-mêmes. Alors maintenant, vous allez essayer d'imaginer que votre cœur, c'est-à-dire vos émotions, c'est comme une fleur de lotus qui s'ouvre. Voilà, ouvrez votre cœur, ouvrez-le. Comme une fleur de lotus. Vous avez été obligé de refermer cette fleur parce que vous êtes vulnérable, parce qu'il faut vous défendre. Mais là, maintenant, nous sommes ensemble, nous sommes des amis. Nous allons ouvrir notre cœur comme une fleur. Il n'y a pas de danger. Et maintenant, est-ce que vous pouvez considérer vous-même comme votre ami? Essayez de vous considérer comme votre meilleur ami. Si vous n'y arrivez pas, observez les résistances. Dites-vous à vous-même, je suis mon ami. Acceptez-vous. Soyez à l'aise avec vous-même. Et maintenant, cette amitié pour vous-même, elle vous rend joyeux et cette joie, vous l'éprouvez dans tout votre être. Dans votre corps, dans votre esprit, parce que vous êtes réconcilié, vous êtes ami avec vous-même, vous êtes d'accord. Est-ce que vous pouvez répéter dans votre esprit, répéter mentalement, que je sois heureux et en paix?
que je sois heureux et en paix. Souhaitez-vous à vous-même d'être heureux physiquement, d'être heureux mentalement, d'être heureux spirituellement. Souhaitez-vous à vous-même ce bonheur, cette joie. Vous y avez droit. Et si vous avez du mal, alors observez pourquoi vous résistez, pourquoi vous refusez de vous accorder ce bonheur. Que je sois heureux, ici et maintenant. Puissais-je être heureux et en paix? Vous pouvez vous sentir heureux d'être ici, en train de méditer, avec d'autres amis, tous ensemble. Pratiquons l'amitié bienveillante. C'est merveilleux. Alors on a le droit d'être heureux. N'oubliez pas de respirer. Et sentez la joie qui entre par vos narines. Et maintenant, est-ce que vous sentez cette paix qu'il y a dans cette pièce? Est-ce que vous sentez la joie qu'il y a dans cette pièce? Alors maintenant, on va essayer, si c'est possible, d'observer, si on y arrive, les blessures qu'il y a en nous. Vous pourrez le faire chez vous quand vous aurez plus de temps, mais on peut essayer. Il y a peut-être des choses que vous pouvez voir, des choses que vous connaissez. Par exemple, vous pouvez commencer par les blessures que vous avez infligées aux autres. Si vous avez fait du mal à quelqu'un, à une personne, un homme, une femme, un enfant, vos parents, des amis, un inconnu, peu importe. Si vous avez fait du mal à quelqu'un, essayez de vous souvenir et essayez d'abord de vous pardonner. Essayez de vous pardonner d'avoir fait du mal à cette personne. Vous n'êtes qu'un être humain, vous n'êtes pas encore un Bouddha. C'est normal de commettre des erreurs et maintenant vous vous pardonnez pleinement. Si vous n'y arrivez pas, observez la résistance. Soyez votre meilleur ami et pardonnez-vous. Le passé est le passé. Et ceux qui n'ont pas de telles blessures, alors c'est merveilleux. Soyez heureux, ici et maintenant. Soyez heureux si vous n'avez jamais blessé personne. Soyez heureux si vous n'avez pas besoin de vous pardonner. Dans un cas comme dans l'autre, soyez votre meilleur ami et soyez en paix. Maintenant, si vous le voulez bien, essayez de vous souvenir d'une blessure que quelqu'un vous a faite. Quelqu'un vous a fait du mal, vous a blessé profondément, vous a fait souffrir. Maintenant, vous allez essayer du fond du cœur, ce lotus épanoui par l'amitié bienveillante, vous allez essayer de pardonner à cette personne. Je te pardonne, toi qui m'as fait souffrir. Puisses-tu être heureux? Puisses-tu être libéré de toute souffrance? Puisses-tu être en paix? Est-ce que nous pouvons prononcer ces mots intérieurement, de tout notre cœur, avec sincérité? Est-ce que nous pouvons laisser derrière nous toutes ces blessures et ressentir la joie, la liberté, la bienveillance, parce que nous sommes notre meilleur ami, parce que nous nous sommes pardonnés. Nous pardonnons aussi aux autres et nous développons cette amitié bienveillante pour ceux qui nous entourent
les personnes qui sont dans cette salle, pour les personnes dans votre famille, dans votre entourage, vos voisins, vos amis, pour les gens qui habitent dans votre quartier. Et ainsi, vous développez cette amitié bienveillante, que tous les êtres soient heureux et en paix. Développez cette pensée illimitée au monde entier, à toutes les créatures vivantes, que tous les êtres soient heureux et en paix, qu'ils soient libérés de toute souffrance, qu'ils se réjouissent du bonheur des autres et réjouissent les autres par leur bonheur, qu'ils demeurent dans l'équanimité, qu'ils demeurent dans la paix. Maintenant, on peut chanter. Sabbe Sata Sukhita Hontu. Sabbe Sata Sukhita Hontu. Ensemble. Sabbe Sata Sukhita Hontu. Sabbe Sata Sukhita Hontu. Sabbe Sata Sukhita Hontu. Sabbe Sata Sukhita Hontu. Merci beaucoup. Soyez heureux et en paix.